Pendant ce temps, les grottes de Mogao ont également rouvert au public dimanche, mettant fin à plus de 3 mois de suspension en raison de l'épidémie de COVID-19. Une limite quotidienne de 1 800 visiteurs a été fixée, ce qui ne représente que 30% de sa capacité. Des mesures sont en place, telles que la vérification de la température, le port de masques, la vérification des cartes d'identité et des codes de santé sur les téléphones intelligents. Certaines parties du site pittoresque sont toujours fermées et aucun groupe ne sera autorisé à les visiter. Nous avons décidé de rouvrir les grandes grottes car la ventilation y est meilleure. De plus, elles peuvent accueillir plus de visiteurs. Au total, 26 grottes ont été rouvertes. Les visiteurs peuvent voir jusqu'à 8 grottes par jour en groupe de 10. Et le personnel médical de tout le pays peut visiter gratuitement la région pittoresque en reconnaissance de son rôle dans la lutte contre la pandémie. Pour ceux qui ne peuvent pas venir en personne, l'exposition en ligne du musée propose une visite virtuelle avec audio guide.